Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, j'ai été taguée par Mélissa et ses lubies créatives. Voilà, donc c'est sur le thème de la broderie. Ça vient, c'est Fifi qui saute sur le bureau. Sous la montre. Elle est là. Tu veux dire bonjour? Tu veux pas dire bonjour? Non? Hop, je me remets bien. Oui, donc j'étais taguée par Mélissa. Ça fait une petite semaine, je crois. Enfin, moi, j'ai vu la vidéo il y a une petite semaine, mais je crois qu'elle avait fait la vidéo quelques jours avant. Enfin, bon, c'est à peu près ça. bon, je ne vais pas broder en même temps que je vous parle parce que bah, j'y arriverai pas. Par contre, je vais vous montrer tout de suite où j'en suis arrivée à mon cheval. Alors, voilà mon cheval. Hop. Voilà où j'en suis. Et bon, il y a encore du boulot. Hein. On voit derrière, voilà ce qui est fait. Et ce qui n'est pas fait. Donc j'aime beaucoup le faire. Il n'y a pas beaucoup de confettis. Enfin, il en a, mais ça va. Donc voilà où j'en suis. Je vous referai une vidéo bientôt où on brodera ensemble sur cet ouvrage et une autre vidéo sur un autre ouvrage. Voilà. J'en dis pas plus. Alors, je me suis fait mon petit papier pour avoir toutes les questions sous les yeux. Donc, si de temps en temps vous me voyez baisser les yeux, c'est que je suis sur mon papier. Alors, première question. Comment as-tu connu le point de croix? Alors, moi, le point de croix, c'est ma grand-mère qui m'a appris à en faire. Voilà. C'est elle qui m'a élevée pendant plusieurs années, de l'âge de 2 ans et demi à l'âge de 12 ans, 12-13 ans, voilà. Parce que mes parents étaient commerçants, ils avaient un café avec un magasin de vélos, etc. C'était dans un village, ici à côté. Et ma grand-mère trouvait que ce n'était pas un environnement pour moi. Elle a eu bien raison parce que toutes les années que j'étais chez elle, ben, j'ai toujours super bien travaillé à l'école, tout. Et puis bon, voilà. De toute façon, j'étais fille unique. Voilà. Bon, alors donc, j'ai appris le point de croix avec ma grand-mère qui m'a appris d'abord des petites broderies, voilà, des petites choses. Et après, j'ai. Quand je suis devenue ado, la broderie. Je m'en occupais plus et j'ai repris la broderie après vers mes 20 ans ou 25 ans, je ne sais plus exactement. Bon, j'en ai 59, hein, donc ma mémoire défaille un peu. Donc voilà. Alors, la grande question. Combien de toiles as-tu en stock? Alors, tout à l'heure, pour préparer mon tag, j'en ai profité pour faire un petit rangement dans mes toiles. Et j'ai calculé. Alors, normalement, si je ne me suis pas trompée, j'ai 38 toiles à la maison. Avec, en plus, un coussin à faire. Donc, je compte comme une toile, puisque c'est une toile. J'ai un porte-clés perle, bon, c'est pas une toile, mais c'est quand même une broderie. Et là, j'en attends encore 7. Donc, ça m'en fait 47. En tout, j'en aurai. Voilà. En sachant que j'en ai en cours également, mais justement, c'est la question d'après. Donc, ça, je vais vous le dire après. Donc ouais, ça m'en fait 47, mais je crois que je ne serai pas loin des 50 d'ici la semaine prochaine, puisque j'ai encore eu des partenariats, et donc je vais encore choisir des toiles. Donc
En moyenne, j'en ai une cinquantaine. C'est beaucoup, hein? Oui, il va falloir deux vies pour tout broder. Alors, la troisième question. Combien de toiles as-tu commencé? Alors là, justement, si on parle des toiles en estampé, donc les toiles imprimées, j'en ai trois en cours en ce moment. Donc le cheval, celle que je vous ferai découvrir dans la semaine, et une plus petite que je n'ai pas encore finie, si vous vous rappelez, j'ai commencé ça avec des oiseaux, mais elle n'est pas très grande, elle est comme ça, mais je ne l'ai pas encore finie, j'en suis arrivée à la moitié. Voilà, il faut juste que je me remette le nez dessus, et puis voilà. Donc j'ai trois en cours, mais pas que. Parce que je fais du point compté aussi. Et donc en point compté, j'ai mon HAED qui lui, bon, avance pas très vite. Même pas. Là, pour l'instant, il est arrêté, mais ça ne veut pas dire que je l'arrête. Hein. Ça veut dire que là, en ce moment, j'ai pas envie de travailler dessus. Voilà, tout simplement. Et j'ai 5 broderies en point compté également de commencer. J'ai une broderie, ben la mienne, ma perso, que j'avais dessinée moi-même et que j'ai mis en salle, voilà, sur mon groupe de broderie. J'ai une Vautier, Isabelle Vautier, j'ai une Annie Cabrial. Donc ça fait déjà trois et les deux autres. J'ai oublié. Ah oui, j'ai une très grande qui était faite aussi en salle. Je ne sais plus son nom. Je suis désolée. Je vais vous remarquer en barre, là, sous la vidéo. Ce salle est terminé déjà depuis 2-3 ans. Mais moi, je n'ai toujours pas terminé la broderie. Et la dernière, la cinquième, c'est une broderie de poussière d'étoiles. Voilà. Que j'avais eu dans la box. Donc en tout, j'en ai 5, 6, 7, 8. J'ai 9 broderies en cours. Estampées et point compté mélangés. Voilà. Tu es plutôt toile imprimée ou point compté? Alors. Vous aurez deviné que moi j'aime bien les deux. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai mes yeux un peu fatigués. Donc en ce moment, je suis plus sur l'estampé. Voilà. Mais j'aime les deux. Donc je ne fais pas de distinction sur les deux. On va dire que l'estampé est plus reposante. Voilà. Quel genre de toile t'attire? Alors, j'ai pas réellement de toile, enfin si j'aime bien ce qui est monochrome, les abécédaires monochrome, tout ça, ben, c'est le salle que moi j'organise justement, c'est un monochrome, mais j'ai pas réellement de motif, comment dire, préféré, voilà, j'y vais au coup de cœur. Si je vois un dessin, enfin une broderie qui me plaît, bon, bah, c'est tout, je la prends et voilà, ça peut être, ben là, vous voyez, c'est un cheval, ça peut être des personnages, ça peut être un paysage, ça peut être des fleurs, voilà. Je suis un peu éclectique. Alors, là, j'attends du Walt Disney. Ça, j'en ai jamais fait en broderie. J'ai dit, je vais essayer. On verra si ça me plaît. Mais la broderie elle-même, le dessin me plaisait, donc voilà. Ça fera une nouvelle branche dans ma broderie. Depuis combien de temps fais-tu du point de croix? Alors, ça revient un peu à ce que je vous disais au début. Plus de 45 ans. Ouais. Ça fait... Mais bon, ça n'a pas toujours été régulier, hein. Mais mes premières croix datent d'il y a plus de 45 ans. Et j'ai fait aussi beaucoup de petites broderies, genre cartes postales, des petites cartes, des petites choses à offrir, voilà.
Avant, je ne faisais pas de très grandes broderies comme maintenant. Mais ça fait, donc là, j'ai 59 ans cette année, au mois de novembre, le 12. Je dis ça au passage. Le 12 novembre, j'aurai 59 ans. Et donc, ouais, ça fait 40. Oh, même, ouais, un peu plus de 45 ans que je fais de la broderie. As-tu un vendeur ou une boutique chouchou? Là, je sais que tout le monde a répondu la même chose. VIP Crostiche. Mais pas que. Alors, VIP Crostiche, parce que ben, j'adore leur boutique. J'adore. Moi, j'ai des échanges avec eux par email pour mes partenariats. Donc. J'adore les échanges que j'ai avec eux. C'est des personnes. J'ai toujours la même personne, mais je veux dire justement, c'est une personne super gentille et tout. Et puis, ils ont vraiment un choix phénoménal dans leur boutique. Il faut vraiment être difficile pour pas trouver quelque chose qui nous plaît chez eux. Et sinon, j'aime bien aussi deux autres boutiques, mais qui eux font de la broderie et du diamond painting. Ils font les deux. C'est Pansomway. Et Everyday Deals. Voilà. J'ai souvent des partenariats aussi avec eux, mais j'aime leur boutique. Voilà. Alors, huitième question. Nous sommes à 12 minutes. Alors, huitième question. Quelle est la plus grande taille de toile que tu as? Alors, ça c'est pareil tout à l'heure en rangeant, justement. Je vous mettrai des photos hein, de mon rangement et puis il y aura des photos de ce que je des choses dont je vous parle. Je vais vous incruster ça dans la vidéo. Ma plus grande, c'est le triptyque. Donc, vous vous rappelez, hein, il y a trois broderies. Broderies, pas facile à dire, hein. Elle fait alors les trois tailles réunies, les trois toiles réunies, elle fait 1,36 m sur 52 cm. Voilà, ça c'est vraiment ma plus grande. Ensuite, j'ai aussi une que j'ai eue chez VIP Crostiche avec des chevaux. Il y en a plusieurs qui galopent dans l'eau. Elle fait 90 cm sur 46. Et pour être dans les plus grandes, donc celle qui est en troisième position, ce sont mes poissons, vous savez, qui vont être faits avec des fils de soie. Pareil, ça vient de chez VIP Crostiche. Là, elle fait 40 cm sur 85 cm. Voilà, ce sont mes trois plus grandes toiles. Actuelle et il y a celle aussi que j'ai commencé, ah, je sais plus sa taille, mais elle est aussi dans les. Alors, est-ce que je peux l'avoir en vitesse là pour vous donner sa taille? Je regarde sur ma chaîne la vidéo de présentation que j'avais faite. Je ne vous dirai pas laquelle que c'est. Voilà. elle est où? Ah, elle est là. Alors, elle vient aussi de chez VIP Crostiche. Et alors, lien produit. Voilà. Elle fait 70 cm sur 50. Voilà. Donc, c'est mes quatre plus grandes broderies. Mais la très très grande, c'est le triptyque. 1,36 m sur 52, là je vais avoir du boulot. Et en plus, j'aurai encore plus de boulot puisque j'ai décidé quand même de broder aussi du fil métallique sur cette broderie, alors qu'il n'y en a pas à la base, mais moi je vais mettre du fil métallique. Mais bon, vous verrez tout ça quand je la commencerai. Neuvième question. Que fais-tu des toiles une fois finies? Mais je les encadre. J'essaye de les encadrer. Bon, elles ne sont pas encore toutes encadrées, enfin toutes celles que j'ai finies. Je fais pour les encadrer, parce que si c'est pour me les garder dans une boîte ou dans une pochette, je vois pas trop l'intérêt de passer des heures sur une broderie si je ne peux pas après l'admirer sur mon mur. Voilà.
Alors, préfères-tu l'étoile 11-7T ou 14-7T? Ça dépend de mes yeux. J'aime bien les deux. Là, actuellement, ben, le cheval, c'est un 14-7T. La deuxième que j'ai commencée, c'est une 11-7T. Bon, sur la 11-7T, je vois que je brode beaucoup plus vite que sur la 14. Mais j'aime les deux. Le rendu sera pas tout à fait pareil. Le 11-7T sera. Je trouve que c'est un peu plus gonflé comme broderie, puisqu'on en fait avec trois fils. Et la 14-7T, c'est un peu plus fin. Voilà. Mais j'aime les deux. Comment travailles-tu ta toile? Alors, le 99% de mon temps que je passe sur mes broderies, je fais sans tambour. Voilà. J'aime pas beaucoup travailler avec des tambours, sauf sur mon HAED, parce que bah celui-là aussi, hein, il est très grand, hein, il fait presque 1 mètre. Là, j'ai mis un quick snap. J'avais essayé avec le tambour en bois, mais ça m'a pas plu sur cette toile-là. Donc, j'ai mis mon quick snap. C'est la seule. Toutes les autres, je les fais sans tambour. Des fois, j'essaye de remettre un tambour, mais ça me gave. Hop, il vole. J'enlève, j'y arrive pas. Et je brode principalement, donc sauf pour mon HAED, où là, je fais dessus, dessous, dessus, dessous. Mais presque toutes mes autres broderies, je les brode par le dessus seulement. Voilà, je ne passe pas en dessous. Je fais vraiment que sur le dessus. Mon aiguille ne va jamais en dessous, si vous voulez. Je remonte pas. Donc voilà comment je travaille mes toiles. 12e question. Comment organises-tu tes fils pendant ton projet? Ça dépend du projet. Si c'est du point compté, mes fils sont bobinés sur les petites plaquettes blanches en plastique ou transparentes, hein, puisqu'il y en a des transparentes aussi, classées dans les boîtes à fils, exprès pour ça, et par numéro en plus. Voilà. Sinon, alors j'ai quand même une broderie, je crois, ben c'est l'Annie Cabrial. Elle, j'ai mis sur bobine, mais les bobines sont sur un anneau. Voilà. Sinon, ben, je laisse sur les trifils. Pour l'instant, je laisse sur les trifils en carton. Je n'ai pas encore changé. D'ailleurs, là, j'attends des trifils en plastique. Je changerai après peut-être pour remettre sur les plastiques au lieu de les garder sur les cartons. Mais pour toutes mes estampées, enfin quand je fais l'estampée, ça reste sur le trifil. Que fais-tu? Alors pour la 13e question, que fais-tu de tes fils une fois le projet terminé? Alors s'il reste presque rien, ça va dans un bocal, un petit bocal à confiture. Hop, je mets dedans. S'il reste assez pour broder, pour faire des belles aiguillées, alors qu'en point compté, elles sont déjà sur les bobines, donc voilà, c'est tout, elles sont rangées, elles restent comme ça. Et par contre, les estampées, je récupère les fils et je les mets sur tes petites bobines. Voilà, et là, je mets la référence DMC dessus. Je me dis, je ne veux pas les jeter parce que des fois, il nous reste quand même beaucoup de fils hein, sur les estampés. Et je me dis, ça peut servir bah, pour faire une mini broderie ou si je tombe en panne d'un fil sur une autre broderie. Donc, je garde en réserve, mais sur les petites bobines en plastique et que je remets dans une boîte pour ça. Comment stockes-tu tes toiles à la réception? Eh ben justement, tout au début, bon, je les mettais comme ça en haut, je faisais une pile, puis ça m'a vite gavé parce que ça prenait de la place, ça prenait la poussière. Hein, bon, malgré qu'ils n'ont pas vraiment pris la poussière, mais je veux dire, dans une maison, il y a de la poussière.
Donc, moi, je les mets dans des caisses en plastique. C'est justement pour ça, tout à l'heure, que j'ai rangé, j'ai re-rangé, parce que ma caisse était devenue trop petite. Donc, j'ai repris, j'ai toujours des caisses d'avance, moi, ici. Vous savez, c'est les grandes caisses en plastique avec les couvercles à charnière qu'on vend chez Action. Donc là, j'ai le modèle, le moyen, un petit peu plus grand. Après, il y a très très grand, mais je me sers pas encore de cela. Donc c'est les deux, la moyenne et puis la moyenne grande, on va dire, voilà. Mais la moyenne grande est pleine là. Quand j'ai tout trié tout à l'heure, ben, elle est pleine. Je peux plus rien mettre dedans dans la grande. Donc j'ai gardé la petite, enfin la taille en dessous. Et j'ai continué à ranger. Alors, celles qui sont rangées dans celle-là, c'est celles qui ne sont pas triées encore. Je n'ai pas encore mis mes étiquettes, parce que je mets des étiquettes sur les emballages des toiles pour marquer la boutique. Et puis, quand est-ce que je l'ai reçue? Voilà. Et donc, dans la petite caisse, là, j'ai mis les toiles que je n'ai pas encore répertoriées. Et là, je voudrais me faire un tableau Excel. J'ai regardé même encore tout à l'heure, donc j'ai dit je m'en ferai un à tête reposée, comme ça j'aurai par boutique mes toiles et voilà. Mais bon, quand on arrive à une cinquantaine de toiles, il y a du boulot hein, pour le rangement. Donc voilà, moi je les range dans des caisses en plastique. Voilà. Et par boutique, j'ai fait des intercalaires avec des grandes feuilles cartonnées, j'ai marqué le nom de la boutique. Et puis voilà, bon, VIP Crostiche, après Everydaddy, après Pinsomoy, après Hyundai Saving, etc., etc. Donc tout est séparé par une intercalaire avec le nom de la boutique dessus. Je voulais classer par thème aussi. Peut-être que je changerai ma façon de classer parce que j'ai quand même des toiles. Ou c'est des collections. Voilà. Mais je ne les ai pas toujours eues dans les mêmes boutiques. Voilà. Alors peut-être que par la suite, je changerai mon classement. Comme les étiquettes de boutique sont marquées sur mes toiles, je ferai plutôt un classement, ben, les fleurs, les personnages, les collections. Donc c'est les anges des saisons que j'ai, hein. Là, j'attends Noël, il me manque encore le printemps. Les fleurs de moi que je commence à faire la collection, voilà. On verra. Comment ranges-tu tes toiles terminées? Bon, bah, tout à l'heure j'ai dit les toiles, normalement je les encadre, mais c'est vrai que je ne les encadre pas toujours tout de suite. Il faut le temps que je trouve des cadres parce que les broderies en point compté, elles par contre, les tailles sont pas toujours standards, hein, comme les estompées. Donc là, je les remets dans des pochettes zippées, une par une. Et puis, elles attendent. Voilà, dans un tiroir, elles attendent que je trouve les cadres. Il y a certains cadres où il faut gérer. Je vais devoir aller chez le Roi Merlin. Donc, pour l'instant, ça attend. Mais voilà, je les range dans les pochettes zippées et je garde les patrons des toiles. On ne sait jamais si un jour une copine veut le faire, ma belle-fille ou n'importe qui, ou moi si un jour je veux le refaire. Mais ça m'étonnerait parce que j'aime pas faire deux fois la même chose. Mais je garde les patrons quand même. Alors ça, je les ai mis dans les, vous savez, les petits classeurs à pochettes là. Je les mets là-dedans. Et ben on est arrivé à la dernière question. Voilà, ça y est, je vous ai répondu à toutes les questions. Ben j'espère que mes réponses vous auront intéressé, qu'elles vous auront donné aussi peut-être des idées, pourquoi pas. J'ai répondu au mieux. Donc j'espère que c'est les réponses que vous vouliez entendre. Et maintenant, on me demande de taguer quelqu'un qui fait du point de croix. Alors, moi, je vais en taguer trois. Eh oui, soyons fous.
Je vais en taguer 3. Alors, je vais taguer parce que les deux premières, je sais qu'elles font de la broderie estampée. Elles font du diamond painting également, mais bon. Alors, je vais taguer d'abord Elisa Point de Croix et ses loisirs. Voilà, je t'ai choisi, Elisa. Et je vais taguer Sarah et ses passions. Voilà, j'étais vérifiée sur leur chaîne avant si elles n'avaient pas déjà fait le tag. Normalement, si je ne me suis pas trompée, elles n'ont pas encore fait le tag. Et je vais en taguer une troisième, mais qui, elle, je sais, ne fait pas de l'estampé. Elle ne fait que du point compté. Donc, j'espère qu'elle peut, je pense quand même qu'elle peut répondre aux questions posées. Bon, peut-être pas sur le 11. Ah, bah si, le 11CT, 14CT, si, elle peut aussi. Oui, non, non, c'est bon. Non, toutes les questions peuvent être attribuées aussi au point compté. Donc, la troisième personne que je vais taguer, c'est Jamais sans mon aiguille. C'est Fred, donc de la chaîne Jamais sans mon aiguille. Donc, bah Fred, c'est bonne pour répondre aux questions. Voilà. Allez, je vous rappelle les trois personnes que j'ai taguées. Elisa, Point de Croix et ses loisirs. Sarah et ses passions. Et Fred de Jamais sans mon aiguille. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous laisser. Pendant le montage de la vidéo, bah là, du coup, vous l'aurez certainement vu. Je vous aurais mis en incrustation certaines images pour illustrer mes réponses. Je vous mettrai les liens des chaînes dont je viens de vous parler en barre d'infos. Et si j'ai d'autres petites choses à vous mettre, vous retrouverez tout dans la barre d'infos. Voilà. Et bien maintenant, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.